Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo d'information, une vidéo peut-être découverte pour certains. Voilà, petit gameplay comme d'habitude sur GTA 5 online les amis, excusez-moi. Donc voilà, certains me diront mais pour qu'est-ce qu'il fait au Mont Chiliad? On le verra dans une prochaine vidéo, un nouveau concept que je lance sur ma chaîne YouTube, voilà, pour relancer un peu la chaîne YouTube, voilà. Vous n'avez pas de mal. Donc les gars, aujourd'hui je vous fais une vidéo d'information. Depuis quelques temps, vous avez vu que la voiture, la Dunk Undead, est disponible. En tout cas, était disponible uniquement pour les anciens joueurs et non pour les nouveaux en fait. Et ben depuis le 6 mars on ne peut plus transférer nos comptes de PS3 à PS4 ou de Xbox 360 à Xbox One ou voilà ainsi de suite ainsi de suite. Donc du coup Rockstar a décidé que tous les items réservés aux anciens joueurs deviennent disponibles pour tous à l'achat. Donc voilà. Donc du coup, donc il y a plein de petits éléments. Donc il y a le Monster Truck Marshall, le légendaire Dodo, le Submersible Kraken, l'Imponte Duck, la Déclastalion, la Bista Compact et la Hachette. Donc tout ça en fait c'était uniquement, il y en avait que c'était des exclus édition collector sur PS3, voilà. Il y en a d'autres, c'était des DLC qui étaient sortis sur PS3 mais qui ne sont pas sortis sur PS4, voilà, etc. Donc mais ça, tout ça c'est accessible via notre application. Donc du coup voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on va retirer ça. Hop, oula, je vous ai un peu spoilé la prochaine vidéo. Hop. Donc on se met là. On va essayer d'appeler. On va déjà voir sur internet si ça y est, c'est quelque part. Si ça y est quelque part. Le Google. Alors, on va essayer quelque part. Est-ce que. Ah, je ne sais pas c'est quoi ce délire. Alors, qu'est-ce qui nous spawne ici? À mon avis, les gars, à mon avis, ça va pas être là-dedans. Albany Virgo, on l'a déjà. Ah, tous les véhicules, voilà. Alors, j'ai pas regardé encore. Je ne sais pas où elles sont. À moins que je les possède déjà. Bon, elles sont pas là-dedans. À moins que je les possède déjà. Ce qui est possible, hein. Non, c'est pas possible parce que. Ah, attendez, hop, elles sont en bas. J'ai vu le nouveau modèle. Voilà, elles sont là, regardez. Ah bah regardez, voilà. En plus, elles sont gratuites en plus. Que demander de plus? On va la mettre là. Voilà, bon, bah, voilà. Vraiment, une voiture qu'on pouvait avoir avec un glitch, celle-là, je me rappelle. Bon, c'est quand même dommage qu'ils la mettent gratuite en fait. Bon, je trouve ça dommage. En fait, ils auraient dû la faire payant. On va mettre notre drapeau français, les gars. Ouais, on va l'acheter. Ah, bon, je l'avais déjà en fait. Bon. Bon, autant pour moi, je ne savais pas. Oui, parce que je crois qu'avec le glitch, avec le lobby, on pouvait l'avoir celui-là. Allez, bon, on a encore un Jean-Kevin. On a encore un Jean-Kevin qui fait le kikou là. C'est pas que je suis en passif, bon. Le pauvre. Il me fait de la peine, le pauvre. Le pauvre. Bah, je crois que c'est ça. Voilà. Putain, mais c'est le bordel devant, là, abusé. Ils ont pas de vie, les pauvres. Alors, on va voir les nouveaux véhicules ici. Il doit en avoir aussi, hein. Là. Alors, attendez. Ça, c'est déjà gratos. Bon, c'est simple, je crois que c'est des voitures qui coûtent gratuites. En fait, c'est des voitures qui sont gratuites. Ah, la Imponte Duck. Voilà, celle-là, voilà. Bah, du coup, en fait, c'est la même que la première. On va la prendre en verte. Allez, hop. Non, on va mettre ça. Voilà. Ça va me remplir mon garage.
Mais ils sont sérieux là? Oh là là, ils ont pas de vie les pauvres. Attends, ils voient un mec AFK, tout le monde vient autour. Putain, c'est le bordel. C'est vraiment des noobs. Hein. Non, il est sérieux, il y a elle. Oh là là, direct je la prends elle. Je crois qu'il y a un mec qui me klaxonne. What? Je faisais guise. Hein. Bon, je peux vous dire, heureusement que je suis passif. Bon, retournons au vif du sujet. Enfin, ce qui nous intéresse le plus, en tout cas, bon, putain, il fait un bordel en plus, l'autre là. Avec ses machines de merde. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi ça a été enlevé en fait. On va la prendre en rouge, c'est pas grave. Ah merde. Bon, c'est pas grave, j'ai pas d'argent les gars, allez c'est bon, voilà. Donc je vous montre un peu tout ce qui est les véhicules qu'il y a. Honnêtement, je les connaissais pas tous. Alors moi il y a une question que je me pose les gars. Pourquoi en fait cette voiture a été en même temps je m'achète elle en fait. Pourquoi cette voiture en fait elle a été mise en mode ancien joueur, en fait je comprends pas trop, enfin les deux en tout cas, la Stallion et la Bista Compact. Je vois pas, enfin je vois pas où c'est que c'est un ancien modèle. À moins que je me trompe, hein. Mais je vois pas. Enfin je vois pas en fait, je vois pas, ouais, je vois pas. Plus simple que ça, je vois pas pourquoi. C'est quoi ces voitures, regardez? Il y en a une à 9000 euros, mais MDR. On va la prendre en orange. C'est quoi ces voitures? Honnêtement, j'ai jamais fait le tour de cette liste de voitures. Il va y avoir des voitures de merde. Hein. Alors, on va regarder dans à la fin, les gars, du coup. Alors là, on est sur les 4x4. Est-ce qu'il y a un modèle de 4x4 qu'on n'avait pas? Karine Rebelle, ah oui, le fameux Karine Rebelle. Du coup, on est. Là, on n'avait aucun véhicule qui est nouveau. Ouais, non, 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 rien. Bon, c'est vraiment des véhicules basiques. Hein. Il y a même encore des véhicules de luxe ici. Oh là, ça me choque un peu quand même. Ah, c'est un véhicule de luxe, ça. Ah, mais rip ma vie, quoi. On peut m'acheter une limousine? What the fuck? Là, je suis choqué. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter une limo. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Déjà, les gars. Hop, on achète celui-là. Et on va acheter le dernier que je vais tuner. Je vais vous faire des vidéos dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être un bon concept. Ouais, peut-être une idée de concept. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Alors attendez. C'était laquelle que je voulais? Attendez, déjà. Ah ouais d'accord, non ouais c'est ça, je pouvais pas l'acheter là. Bon les gars, on va cesser sur cette vidéo. Donc voilà, je vous ai un peu montré tous les véhicules qui étaient de nouveau disponibles. Voilà le Monster Truck, le légendaire Dodo. Alors le Dodo, je crois de mémoire, c'est un hélicoptère, on va voir ça. Un avion, lui qui se pose sur l'eau. Le Dodo. Yes, on va dire là, c'est le Dodo. Nice. Ah ça j'adore les gars. Bon à 0€ je l'achète tout de suite hein. Voilà le légendaire Dodo. Et il y en a un autre si je me trompe pas. Alors si je me trompe pas les gars.
Je crois que normalement il y en a un autre. Il y a beaucoup de machins que j'ai pas. Eh ben non. En fait, je me suis failli, il n'y a rien d'autre. À moins que ce soit un bateau. Je regardais sur les bateaux, excusez-moi. Hein. Les bateaux, je crois que. Eh oui, c'est un bateau. Eh oui, c'est sous-marin. C'est ce que je disais. On a de nouveau la possibilité d'avoir le sous-marin. Donc, ce qui est plutôt pas mal en fait. En soi. Hein. Bon, en soi, le sous-marin, il sert strictement à rien. C'est de la grosse daube. Mais bon, c'est toujours ça à avoir. Surtout qu'il est totalement gratuit. Bon, les gars, voici un peu toutes les nouveautés de ce que Rockstar nous a mis depuis le. Ça nous a été mis le. Depuis le 21 avril, c'est disponible. Donc, du coup, je fais la vidéo le 26, mais c'est pas bien grave. Donc, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!